Salut tout le monde, c'était Rose44, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui spéciale montage de la fête foraine de Nantes, ça y est, de printemps, de avril, elle débarque. C'est le grand montage, je vais vous filmer ça en direct sur la place de Cours Saint-Pierre à Nantes. Je vous embarque dans le montage de la fête foraine 2022 pour les vacances d'avril à Nantes. La plupart du temps, ils sont arrivés hier soir et ce matin sur cette place. Un peu de partout de la France. Sous un beau soleil, 20 degrés. Voilà, je vous embarque. On va voir direct sur la place. Comme d'habitude, si vous aurez bien aimé de toute cette vidéo, comme d'hab, hein, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Je mettrai le lien de la fête foraine, la date et bien d'autres. Comme vous voyez. Bonjour. Voilà les camions qui arrivent. Camion de nourriture. Voilà les chichis, barba papa et tout ça. Sur le cours Saint-Pierre. J'espère qu'on va bien voir avec le soleil, parce qu'il est éclatant. Je suis heureux, il y a du soleil, ça fait tellement du bien, ça faisait longtemps qu'on attendait. Après des mois et des semaines de pluie, de brouillard, de gelée. Enfin le soleil, regardez, ça pousse dans les arbres. Les feuilles, c'est le bonheur, la joie du printemps. Tant que ça dure, plus de pluie, plus de froid, que le soleil reste parmi nous, je suis en t-shirt, c'est agréable. Pour une bonne partie de la France que c'est comme ça, sous le beau temps. Comme vous voyez, les caravanes, les camions, les manèges, allez-y. Ça vient un peu de partout. Voilà, voilà. Chaque année, je filme celle du printemps et celle de l'été. Regardez ces magnifiques manèges qui vont monter jusqu'à... Oh là-haut ! Voilà, comme je disais, c'est lui. En fait, il va chercher son stand, son emplacement. En plus, c'est 44, il est de chez nous. Bah là c'est 30, mais c'est 44 derrière, à l'avant. La poussière par contre. Hein. Voilà les arrivages, la cathédrale de Nantes. Il y a la poussière, et attention aussi, nous sommes vendredi. Hein. On a une alerte pour un pic de pollution. C'est tout... l'ouest de la France, Nantes, Rennes, Brest, un peu de partout. Il fait chaud en un coup, là. C'est la chaleur qui débarque et la pollution. Entendu à la radio. Ils ont mis des graviers, comme vous voyez aussi, là.
avec les caravanes. Le grand montage. Alors, cette année, il n'y a pas l'autre cours qui est là-bas, à l'IEPA, c'est que celle de septembre. Là, ça sera ici, sur cet emplacement, quand vous voyez la ligne qui est là, là. C'est ça. Là, c'est le manège. Ici, voilà, ici, c'est le manège. Et là, ça sera le passage pour nous. En fait, là, je suis dans le manège. Là et là, c'est le manège. Et là, ça sera le chemin. Alors je viens aujourd'hui, j'essaierai de venir d'autres jours pour voir comment ça monte au fur et à mesure, des semaines. On va aller de ce côté-là. Pour faire montrer au fur et à mesure le montage. Et apparemment, il y a un nouveau manège qui est sur Nantes. Voilà, c'est le coin des caravanes ici. Pour dormir, hein, pour bien. Voilà ce petit manège là. Le montage, comme d'hab, espace, grignotage, bonbons, chichi, les beignets. Voilà. L'espace pour enfants. Les voitures autoponeuses. Voilà. Le montage. Rien, donc c'est ceci. Il y a ça. Voilà. Comme vous voyez, ça arrive petit à petit. Les manèges. Il y en a qui sont là chaque année, il y a des nouveaux, il y a des anciens. Regardez le montage là. Regardez les belles caravanes pure américaine. Ça c'est la belle baraque. Hein. Waouh. Et après celle-ci, je sais pas si elle va en SNI, mais normalement elle va peut-être en SNI, je sais pas. Je crois que c'est que l'été avant ce livre. Voilà, il y a un stand qui est là. Voilà. Et ça, c'est pour les enfants. Il y a des petites, des grandes caravanes. Oh, ça sent l'essence là. Ça consomme beaucoup. Même pour eux, hein. Portefeuille, ça va leur coûter cher. À faire le plein, heureusement que ça bouge pas un camion pendant un mois. Et ceci, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être celui-ci, le nouveau stand. La voleuse toponneuse. Voilà. Le sucouri. La petite bouffe hein. Et on tombe ici sur la réprame Duchessonne. Où il y a la tourlue. Voilà.
Je vous reprends juste après s'il y a un arrivage. Comme ça, je fais une petite coupure et je reprends un peu plus tard. Il n'y aura jamais la remorque. Voilà une manœuvre. Je vais juste montrer, il y a une petite manœuvre là. Le montage de la stand de nourriture. Regarde la poussière que ça fait le moteur. Alors ça va être des grandes vidéos, hein, une bonne vingtaine de minutes ou trentaine. Et la marche arrière. Des magnifiques Volvo, Scania, Mercedes, Renault. Bien aussi des vieux Scania comme ce modèle là. Un vieux joujou que vous connaissez, certains d'entre vous, qui sont plus vieux que nous que moi. Voilà, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez la fête foraine. Si vous venez chaque année, moi je viens pour manger des chichis. Ça va bien pour mon sport, parce que maintenant je suis à la salle de sport. Je fais attention à ce que je mange. Mais de temps en temps, des petits chichis, un peu de sucre, ça fait du bien. Pour bien garder la forme. Voilà les camions. Le montage. Voilà, l'île est déjà arrivée. Ils ont positionné tout. Voilà, voilà. On voit la tour de Bretagne qui est juste derrière. Si vous voyez bien là. Et comme je vous disais aussi, nous sommes vendredi. Il a annoncé une alerte orange au pic de pollution ce soir dans la région nantaise, toute la Loire Atlantique. C'est énorme. On va pas sentir parce que déjà, ceux qui sont à Nantes, si vous habitez assez loin de la ville et que vous voyez la tour de Bretagne assez loin, on voit une petite brume qui est devant. C'est ça la pollution. Voilà. S'il faut remettre. Son masque par intérêt aux infos, bah on le fera. Moi je l'ai dans la poche que je prends le bus pour venir, je suis pas en vélo ni en voiture parce que j'ai pas de permis. Je prends que le vélo ou le bus, cette rame. Voilà, regardez le manège. Ils vont se faire monter au fur et à mesure. Voilà. Je vais montrer plusieurs lieux. En plus, je les vois arriver, les camions, ce qui prennent route de Paris la plupart du temps. Et comme moi, j'habite à moins de 5 minutes du stade de la Beaujoire, c'est juste magnifique. Et il fait chauffer le moteur. Voilà. Bah, les gens, je vais vous quitter là. On va se quitter sur ce magnifique camion. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner, c'est pas déjà fait. Le petit partage. Et il y aura peut-être une autre petite vidéo d'un arrivage ou quoi que ce soit. Ou d'un gros convoi, et voilà. Allez, ciao, bon visionnage, et vive la vidéo.